Yo tout le monde, c'est Unit Production pour une vidéo. Pas pour du Ultimate Team, ni du DG, ou n'importe quel mode, c'est simplement pour faire mes prédictions. Merde, désolé. J'ai oublié de fermer là sur ma TV. Une prédiction pour la round 2 des séries. Juste avant, je voudrais juste faire. Merde, mon cellulaire vient de sonner. Donc, oui. Bon, ça commence déjà mal, mais c'est pas grave. Donc là, je vais juste vous dire, en ce moment, vous avez l'image des équipes qui sont présentement en deuxième round. Donc, les Ducks contre les Flames, Chicago contre Minnesota, Rangers, Capitals et Canadiens, Tampa. Et ça, c'est ça. Puis, je vais juste vous faire une comparaison avec les séries que j'avais prédit juste avant. Laissez-moi juste retrouver. Donc oui. Moi j'avais dit que les Jets l'avaient emporté sur les Ducks. Qui était complètement faux. J'avais mis, je pense, Jets en 7. Puis ça finit Ducks en 4. Donc ce côté-là, j'avais des doutes au début sur les Ducks. Désolé. J'avais des doutes sur les Ducks au début. Puis parce que on le sait qu'ils sont pas vraiment. Ben, en 2007, ils ont gagné la coupe, mais depuis, ils n'ont pas eu beaucoup de grands succès en série. Ils ont pas, je pense qu'ils ne sont pas rendus en demi-finale. Je crois qu'ils ont toujours été éliminés en première ou en deuxième ronde. Donc, ce côté-là, j'avais un doute pour ça. Puis, c'est pour ça que j'avais mis Jets en 7. Puis, il était sur une lancée, mais Buffalo a complètement scrappé l'équipe à la fin. Donc, c'est malheureux pour eux, mais à la fin des Jets. Ben c'est ça, la fin des Jets a été présente. Est présente. Oui, ça se dit-tu? Je sais pas. La première fois que les fans de Winnipeg voyaient leur équipe en série depuis je pense 20 ans. Puis la deuxième fois je crois que l'équipe faisait l'équipe depuis quand Atlanta a revenu dans la ligue. Et après, il affronte les Flames. Et les Flames, j'avais dit de perdre. J'avais dit qu'elle allait perdre contre les Canucks en 7 aussi, à cause de l'expérience des Canucks avec la finale de mélange, je crois. Et complètement aussi été dans le champ. Mais là, c'était moins payé, c'était en 6 pour les Flames. On a vu que la jeunesse l'a vraiment emporté. Puis Furlan, vraiment, c'est vraiment lui qui a joué dans la tête des Canucks. Ça a été un bonus pour eux. Puis les Canucks sont pas vraiment mal joués, mais ils étaient pas au niveau des Flames durant la série. Après Minnesota puis Wild, j'avais mis Wild en 5, ça finit en 6. Donc j'étais proche, puis tout le monde voulait mettre Saint-Louis, tout ça. Puis là-dessus, je savais que j'aurais eu raison. Ben même pour la série Ducks Jets puis Canucks Flames, dans mon cœur, je voulais que Flames gagne, puis dans mon cœur, ben dans mon cœur. Je savais que les Ducks auraient gagné, mais c'est parce que je voulais mettre un peu de piment, je sais pas comment dire, genre un peu de challenge, puis je voulais que les Jets aussi gagnent. Mais je voulais que les Jets gagnent, mais je savais que c'est les Ducks qui gagnaient, donc c'est pour ça. Puis donc ça, Minnesota a complètement trouvé la faiblesse de Jake Allen, puis Ken Hitchcock sait plus quoi faire. Il va sûrement perdre sa job. Peut-être, je suis pas sûr. Avec l'équipe qu'il y a, il y a pas vraiment de raison pour qu'ils perdent. Ils sont à peu près comme Chicago, ils ont pas vraiment de goaler, mais la différence avec Chicago, ils ont une offensive de fou. Puis le style de jeu des Blues, c'est défensif. Puis avec leur goaler, ils peuvent pas vraiment jouer défensif. Donc, c'est ça le problème. Après, Chicago, ben j'avais dit en 6, puis ça finit en 6 pour Chicago, donc c'est parfait. J'ai eu des doutes tout le long de la série à cause des goalers, puis dernière game. Frank Darling a accordé 3 buts dans, je pense, 12 premiers tirs, dans 12 premières minutes. C'était genre, oh, ça va te faire monter. Puis quand j'ai vu le but de Kane à 5 secondes, 6 secondes, j'ai gueulé ben raide, j'ai capoté. Puis là, je savais que la série était en main avec le but de Kane dans les 3 dernières minutes. C'était parfait. Le monde était parfait pour moi à ce moment-là. Après, j'avais dit Rangers en 5, ce qui est arrivé, il n'y a pas grand chose à dire à part que les gros canons des Pingouins sont pas présentés. Malkin, Hart, dans toute la série, je crois, ça fait mal. Donc,
C'est ça, c'est surtout à cause de ça qu'ils ont perdu. Puis Fleury, il a pas vraiment choqué cette année. Il a quand même été solide devant le filet, mais l'équipe l'a pas aidé, l'a vraiment pas aidé. Après Sénateur, Canadien, j'ai mis Canadien en 6, puis c'est. Ah non, laissez faire. Capitals, j'en gardais la mauvaise place. Capitals, j'avais mis pour qu'ils perdent en 7. Ils ont gagné en 7. Oui, ils ont gagné en 7. Ouais, en 7 ou en 6. Non, ils ont gagné en 7. Que dire, Halak était sensationnel pour vrai. Si son équipe se rendrait en finale, c'est à peu près comme. Il est comme à peu près Carey Price, dans le fond. Mais lui, il y a John Tavares devant son équipe, ce qui l'aide beaucoup. Puis Johnny Boychuk était capable de contrer Ovechkin toute la série avec ses jeux. Je pense qu'il y a 4 tirs bloqués en une séquence. Puis quand il a bloqué, pas vraiment bloqué le tir, mais il a enlevé la rondelle à Ovechkin quand il était couché à terre de dos. On peut le dire que c'était un des jeux de la série, des séries, sans compter le but de Tarasenko. Assez similaire, quasiment identique au celui qui avait scoré au début de la saison à la Peter Forsberg dans les années 90 au championnat mondial junior, je crois. Championnat junior, chose comme ça. Mais quand il jouait avec la Suède, je me trompe pas. Il avait complètement déculotté le goaler, comme ça paraît comme Benoît Pouliot il y a quelques années. En tête de barrage. Donc, ça m'a surpris que Capitals gagne, mais là, j'ai vu Colby aussi, c'était une machine. Donc, c'est pour ça. Après Canadien, je l'avais mis en 6. J'ai eu raison. C'est quand même drôle, je pense. La moitié. Ben, toutes les séries que je crois que j'ai eu. Ben, toutes les séries que j'ai eu étaient dans le bon nombre de matchs. Donc, c'est pas si pire. Puis, je crois que j'en ai eu 4 sur 8. Donc, c'est mieux ça que 0. Donc, ce Canadien, je l'ai mis en 6. Puis là, ben, ils ont gagné tout ça. En 6, ils ont eu de la difficulté à la fin quand Craig Anderson est arrivé. Puis Anderson était sensationnel. À la fin, on peut se l'avouer, le but de Pageau, il était bon, mais bon. On peut revenir là-dessus, on s'en fout. C'est pas si grave que ça. Puis si les Canadiens perdent la 6e game, ils perdent la série, c'est assuré. Mais bon, Price était aussi. Ok, il y a une méchante moto qui a passé juste à côté. Puis Price a surtout sauvé les 2-3 dernières games, là, était sensationnel aussi. Tampa, Détroit. J'avais mis Détroit en 7, puis là, ben, ça a fini en Tampa en 7. C'est la série qui me fait le plus mal pour Détroit, qui viennent sûrement de perdre leur coach en plus. Mais qu'est-ce qui m'a fait ouvrir les yeux dans cette série-là, c'est que. Howard vient de perdre sa place de premier goaler, puis Mrazek est prêt pour prendre le rôle de gardien numéro 1. Puis juste une parenthèse pour tourner la série Islanders Capitals. Dans la game, le match numéro 7, Islanders méritait vraiment pas de gagner. Ils ont seulement tiré 11 fois sur Holby, 11 ou 10. Puis je crois que c'est genre le record de moins de tirs dans une game en série. Donc c'est la fin de la parenthèse. Puis là, on retourne la série de Tampa Détroit. Ouais, c'est ça. Là, Tampa affronte le Canadien. Puis là, je vais vous présenter vraiment mes prédictions. Donc là, vous les voyez. On va commencer dans l'Ouest. Anaheim, Flames, j'ai mis Ducks en 5. C'est Ducks. Puis en ce moment, c'est sûrement l'équipe favorite pour gagner la Coupe cette année. Pour l'instant, c'est à peu près comme Chicago. Puis, ouais, c'est à peu près comme Chicago. C'est pas encore. C'est un point d'interrogation dans le filet. Gibson à date. Non, Sanderson a été solide. On va voir s'il peut être solide encore le reste des séries. Mais, si on a vraiment une équipe de fous avec Getzlaf, Perry, puis Kessler devant eux, ça va être tough perdre avec ça. Désolé. J'entends des bruits un peu bizarres. Donc c'est ça, puis les Flames, ça va être sûrement la fin de leur. Parce qu'en ce moment, c'est l'équipe Cendrillon, comme qu'ils disent un peu partout dans les médias. Je crois que ça va être leur fin de saison de rêve. Puis que l'année prochaine, ils vont être encore plus forts. Ou ils vont faire comme Colorado cette année. Ils vont finir dans le bas-fond de la ligue. Mais je crois pas. Donc, c'est ça. Après Chicago, Wild, j'ai mis Chicago en 6.
C'est vraiment la série qui va être sûrement le plus difficile à prédire. Avec. Ben, je crois qu'il y a vraiment juste Ducks que pas mal tout le monde est unanime, mais Chicago, l'offensive est présente avec Taze, Kane, Osa, Sharp en feu en plus. Taze aussi est en feu. Qui d'autre qui est en feu? Brad Richards, comment c'est en feu un peu. Brandon Saad aussi, il est bien. Il est bien. Il est bien parti. En plus, Chris Verstig joue pas, donc. Ils vont faire plus jouer sur le côté robuste parce qu'on connaît, on connaît le joueur Matt Cook côté Minnesota. Je sais pas s'il joue, j'espère que non. S'il joue, Brian Bickle va suivre de proche pour protéger Kane. Puis là, on sait que maintenant Kane il est revenu sûrement à 95% parce qu'il s'est fait ramasser ben raide par Ribeiro. Puis là, ce coup-là, il est vraiment inacceptable. Je déteste Ribeiro maintenant. Puis là, il a mangé un méchant coup à la tête, plus à la clavicule gauche, qui c'est elle qui s'est fracturée. Puis il était capable de continuer la série bien ben correct. Il était sonné sur le coup, mais il n'avait pas l'air de ressentir d'autres douleurs après ça. Puis côté Minnesota, oui, ben beau Devin Dubnyk est là avec le trophée Vezina, puis le trophée Masterton, je crois. Mais l'offensive côté Blackhawks bat complètement l'offensive de Minnesota. Que Minnesota, c'est Granlund, Koivu, Pominville, puis après quoi Vermette, puis c'est ça. Côté défensif, il bat sûrement avec Ryan Suter, mais à part de ça, ils n'ont pas de gros nom. Qui d'autre? Matt Dumba qui me vient en tête, pas un gros défenseur. Ils n'ont pas une grosse défense, Minnesota. Ils ont Ryan Suter. Hop, oh, allez, c'est à l'attaque, ils ont Zach Parise. Désolé, mais même ça, c'est pas l'offensive de Chicago. Puis côté défensif quand même à Chicago, Seabrook a des séries fou pareil pour Duncan Keith. Yann Marson il joue quand même assez bien. On peut y en vouloir si c'est pas le méchant def, mais il joue bien. Avec Kimonen aussi. Les deux jouent assez bien. Puis Roosevelt puis l'autre Oduya. Oduya aussi a des séries de fou en ce moment. Roosevelt buff moins. Mais on peut y en vouloir. Après Rangers, je les ai mis en 6 contre Capitals parce que les Rangers, pour moi, c'est le favori de la. C'est mes favoris dans l'Est en ce moment pour être champion de l'Est dans le fond. Puis Capitals, c'est vraiment un point d'interrogation. Capitals, on sait vraiment pas comment ils peuvent réagir. Ovechkin, ça se peut qu'il score 20 buts dans la saison, dans la série, mais la défensive des Rangers est une défensive de fou. Petite gorgée d'eau, désolé. Ils ont beaucoup trop de def numéro 2. On peut passer à Keith Yandle, Ryan McDonough, Dan Boyle aussi, on peut considérer comme un def 2-3. Qui d'autre qui vient en tête? Kevin Klein, je me trompe pas. Qui aussi, il joue bien. Mark Stahl, partant. Puis l'autre def, j'ai aucune idée c'est qui pourrait. Moore, je pense que c'est Moore. Puis c'est ça, puis avec Longvis, puis avec Talbot Dainette, c'est tough à battre avec l'offensive. Pas vraiment fou, mais ils ont quand même Rick Nash, Derek Stepan, Derek Brassard. Ils ont quand même une offensive assez puissante. C'est pour ça que je les ai mis en 6. J'ai craché un peu partout. Et donc là, on va continuer parce que là, la vidéo commence à être longue. Je vais voir, je pense à combien de temps. 10 minutes, ouais, c'est ça. Un peu plus que 10 minutes. Après, là, c'est là qu'il va y avoir beaucoup de mécontentement. Mais j'ai mis Tampa en 6. Pourquoi? Tampa, c'est la meilleure offensive de la ligue. De la ligue. Puis là, j'ai des stats. Et je vais juste les mettre ici pour que je les voie. J'ai les stats de Bishop, ok, mais je vais juste parler d'offensive là. Price, c'est bien beau. Si on va dire, avec l'offensive de Tampa, puis la défensive aussi assez grosse. Je pense qu'ils ont 2-3 def en haut de 6 pieds 3, 6 pieds 4. Ça va être tough à contrer avec Victor Hedman, Aston Trandman, Matt Corn, je sais pas. Jason Garrison, Souzer, je sais pas s'il joue. C'est plein de gros gars là, pis ça va être tough à contrer pour le Canadien, et puis surtout des Gallagher devant le net. Ça, là, ça va être tough. C'est pas des Eric Carlson qui paye genre 140 livres, là. C'est des Victor Hedman à 230 livres, tout. Ça va être beaucoup plus difficile pour Gallagher faire sa job, pis il reste peut-être même de se blesser durant la série. Pareil pour Dernier pis tout. Puis Price, c'est vraiment. C'est le gars qui va gagner le trophée Hart.
Puis ici, il se rendrait en finale, il gagnerait le trophée, sûrement Conn Smythe aussi. Mais c'est parce que les Canadiens ont beaucoup de la misère. Ils ont eu de la misère scorée contre Craig Anderson puis Ben Bishop. Juste pour vous dire, durant les trois dernières saisons, il y a une fiche de 9-1-1 contre le Canadien, puis une moyenne de but de 1.41, puis un taux d'efficacité de 948. Et c'est vraiment une machine contre Tampa. L'année passée, il était blessé. Puis surtout que là, Tampa, en ce moment, la fiche contre le Canadien, c'est 5-0-0. C'est vrai que la saison, c'est pas comme dans les séries, mais on peut se l'avouer quand même que Tampa, sûrement une coche au-dessus des Canadiens. Puis après, Price, une fiche de 4-5-3. Ouais, un but accordé de 2.51, puis un taux d'efficacité de 923. Mais ça veut rien dire parce que Price en ce moment connaît la meilleure saison de sa carrière. Sûrement, c'est le meilleur gardien au monde. Puis il va sûrement devenir dans le top 5 des gardiens de l'histoire de la NHL. Avec des noms comme Martin Brodeur, Patrick Roy, Dominique Hašek, Manny Fernandez, ouais. Ron Extall, ouais. Qui d'autre qui me viendra en tête? Jacques Plante, Ken Jordan, les vieux goalers canadiens. C'est vraiment des gros noms, puis Price fait partie d'eux maintenant. C'est le goaler à battre si. S'il gagne la série, c'est seulement à cause de lui, parce que les Canadiens ont beaucoup de la misère scorée. Puis les défenses de Tampa savent qui bloquer. Les joueurs de soutien, les 3-4 derniers trios de Tampa, les trios de Tampa. Tampa a vraiment une équipe beaucoup meilleure que les Canadiens. Il y a des Steven Stamkos, Kucherov, Johnson, c'est tous des... Stamkos, c'est pas ses meilleures séries, mais c'est quand même Steven Stamkos, faut quand même le contrer. Puis Canadiens ont Pacioretty, Gallagher, DeLuise. C'est pas des Kucherov, il connaît des saisons de 30 buts, c'est quasiment son année recrue. Tyler Johnson, des séries de fous pour l'instant. Il y a des Drouin qui jouent pas, surtout les Drouin, ça serait la pièce sûrement maîtresse aux Canadiens pour l'instant. Un bon ailier droit, autant centre qu'ailier droit, mais je ferais plus jouer ailier droit. Mais bon, c'est pour ça que j'ai mis Tampa en 6. Dislikez pas la vidéo pour ça. C'est juste mes prédictions, ça se peut, j'ai complètement tort, puis Canadien les balaye en 4. Mais bon, puis là, si c'est comme ça, là, en demi-finale, là, ça serait Ducks, Blackhawks, Rangers, Tampa. Donc, des séries qui s'annoncent, qui s'annoncent bien pour l'instant. Mais bon, on va voir en temps et lieu, puis je vais refaire la vidéo dans quoi, 2 semaines pour la round, pour les demi-finales dans le fond. Puis on va voir si j'avais bien raison ou j'avais complètement tort, puis j'ai pas choisi bonnes équipes du tout, puis ça se peut que ça soit genre Flames Canadien en finale. Là, on va voir le rendu là. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo surtout, commentez la, dites moi c'est quoi vos prédictions, et partagez la sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Et donc je vous dis ciao à tout le monde et à la prochaine.